Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 sur GTA 4. L'épisode 9, l'épisode 11, pardon, de GTA 4. On va continuer donc les missions de l'histoire. On avait fait un petit entre-deux avec quelques missions de vol de Brucie, de vol de véhicules. Et là, on est reparti pour l'histoire pour 5 épisodes. Et après, au bout du 15e épisode, on ira faire quelques missions de flics et ainsi de suite. Vous avez compris le système. Moi, j'ai plus de voiture. Du coup, on va tracer chez Manny. Je pense que je vais prendre ce véhicule là. Ah ben non, il y a les flics, c'est mort. Du coup voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. Vous avez été un peu plus nombreux que d'habitude à regarder la vidéo sur les missions de vol de voiture. Donc j'ai l'impression que ça vous a plutôt plu, même si je trouvais pas ça assez folichon, mais bon. Hop là, petit vol plané. Allez, on va direct chez Manny. Voilà, tant qu'on travaille sur cette île, je vais pas trop couper. Si on fait que des déplacements ici, c'est pas... Il n'y a pas trop d'intérêt que je coupe. Allez hop. Non, ne ferme pas la porte, fais comme tu veux. The Puerto Rican Connection. Manny Escuela combines a powerful urban masculinity with a lighter side. Here, shortly after cleaning up 5 blocks, he teaches a group of... Yo man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good, it's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here? Man, I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV, and now some punks been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game. Punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, what? Man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man. Yo, listen, can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood, man. Well, what the fuck is that, man? Va au Algonquin Bridge. Ah, alors c'est où ça? Ouf. Eh ben, c'est pas à côté. Donc, bah là par contre je vais être obligé de couper parce que de toute façon il va pas y avoir de dialogue je pense. On va rouler 2 secondes voir s'il se passe pas quelque chose. S'il n'y a pas de dialogue ou un appel ou quoi que ce soit, on va couper pour pas que ça fasse trop long non plus. Bon, on se retrouve de suite sur place. Allez, on est sur place. Juste après le virage. Là, je me rappelle pas du tout de cette mission. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Tu arrives à destination? La cible est dans le métro, suis le métro et élimine-le. Ça rappelle une mission. Alors je crois que c'était dans Driver qu'ils avaient fait ça. Donc tu suivais un métro comme ça aussi, c'était horrible. Ah, j'aime pas ce genre de mission. En dessous. Hop. Comme ça, pour l'instant, ça complique pas trop, mais bon, à mon avis, à un moment, ça va être le bordel. De toute façon, j'ai bien compris qu'il était là.
pourtant il me semble qu'à un moment, voilà, il y a un cul-de-sac. How am I meant to catch this fucking train? Voilà, c'est bon. On va trouver la route. Voilà, pour l'instant, on s'en sort pas mal. On va passer par là. Je crois qu'il s'est arrêté, non? La cible est descendue du métro. Où c'est qu'il y a les escaliers là? Merde, putain, ils sont où les escaliers? Je crois qu'il est descendu là, non? Et merde. Ah, oh, putain, j'ai perdu l'habitude, je me suis trompé de touche. Ah, fait chier. Ah, c'est bon. Ouais, ça c'est fait. On va prendre la voiture. Ah, le téléphone. You don't need to worry about people talking garbage no more. Yeah, just your ghetto, man. Just like me, kid. I'm gonna thank you in all my acceptance speeches, man, for real. Bon, prochaine mission, elle est où? C'est Playboy X. Mais on va aller au... Parce que je crois que j'avais une mission avec le cybercafé. On va aller voir ça de suite. C'est juste là, je vais pas couper, ça sert à rien. Avec French Tom, je crois que c'est. Hop. C'est quoi ça? Retrouvement au bout de la jetée de Castle Garden. Ok, on va voir ça après. C'est le café. Il est là. Allez. Je vais pas rentrer avec une arme quand même. Nico, Roman's cousin, you've made my day. Thanks, good to see you. Alors. Voir mail French Tom. Je viens de voir que tu t'intéresses à moi, fais que comme les autres, fournir ma boîte aux lettres sans remplir toutes les 10 secondes depuis que j'ai passé mon annonce. J'étais en train de refuser un tas de propositions. Bon, je savais, j'ai l'air différent des autres mecs. Tu n'as ni fauché ni gros, c'est déjà un début. C'est trop bien pour tous ces losers. Je crois que j'avais déjà lu ça. Non. D'habitude, j'y suis vers 18h. Ok, ça c'est fait. Comment ça, j'ai un autre mail? Ah oui, d'accord, c'est pour... 18h samedi. Ah bah c'est aujourd'hui, putain, faut pas que j'oublie. Ok, ça c'est fait. Message. Essaye de ne pas tomber amoureux de ce type lorsque tu iras au rendez-vous. On ne mélange pas les affaires avec le plaisir. Il va sans doute répondre à ton email. Ok.
Bah, chez Algonquin, c'est là-bas que vont tous les VIP, mec. Trouve-toi des fans super classe, c'est légitimement différent. Pas qu'il te faut l'emballage qui va avec. C'est comme ça que ça roule. Ok. Bon, bah ok. Bah, on va attendre 18h. Hein. Allez, on est sur le lieu du rendez-vous. C'est ici. On va aller dans le restaurant directement. Out of closet. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. You got a bad knee or something? Is that why you're standing? I've seen guys pull weird shit out of their pants, but guns freak me out. Goodbye! Ouais, ça c'est fait. Maintenant, on s'arrache de là. Très vite. Voilà. Pas très compliqué. Hein. Allez, ça c'est fait. Enfin, une mission pour vous aussi. Le premier sur place. How was your day, bro? Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think he'll be seeing anyone. Mickey, you're an animal. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freaks, you know? I'd be getting involved in some of that internet dating shit, but I only date models, you know? Or VIPs, who could be models. Not many of them online, yeah? Catch you later, big guy. Later. Allez. Hop. Numéro 1. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me the love man-hug time. Enough, all right? Whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bull shark testosterone up the ass? Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers. Come on now. Let's go show some people just how we roll. Yeah, all right, come on, get in. Come on, start you! Shit. Pure gold, eh, big man? Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tuned to yourself. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches!
Nicky, we need some wheels. Ok, bon. Allez hop. Je me rappelle pas du tout ce que c'est la voiture. Nico, man, excuse me, but I gotta make this call to tell this guy we're borrowing his car. Stevie boy, how's Strix? No, man, you can spot me. Yeah. For sure. All right, listen, man. All right, listen, me and my ice cold friend Nico gotta borrow your car. No, the other one. Well, of course it'll be cool. What? It's outside? Great. Love you, man. He's fine with us taking it? We won't have an incident like the last time I got the car for you? No way, man. That was a one-time only, baby. Me and Stevie are tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was gonna say my hands, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel? Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches, destroying the town. You and me could be doing some serious damage, like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb, you know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right. I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. Ah ouais, c'est la comète. Je m'en rappelais pas. Allez. Here we are. See what I mean? Sweet. Elle était terrible la comète dans GTA 4. On va à la ligne de départ. We got a race to win! So, when we get there, will you be driving? No way, man! I'm just here to look good. Me and you are cruising together. That's how we roll. Passenger side, flexing the guns, scoping the chicks, flashing the bling, pumping the sounds, riding shotgun while my boy Nico pulls off some badass Red Army, pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our style? Because I think that is how we roll up in this shit. Man, I am fucking pumped today. Here we be. You ready to feel the G's? Whoa! Your skin looks really rough, man. You had some help? A little botulism special there? I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine. Okay. C'est parti. Oh les mecs! Oh, ils trempent dans le tas! Je m'en rappelais pas de ça. Oups! No one! I mean, no one can touch us up here! I fucking love you, man. Number one, good driving. How do I look? Pretty good, right? Yeah, pretty good.
Take me back to my apartment, man. I'm feeling jacked. I want to hit the weights. Now! Allez, on va rester en rec. On va profiter un peu de la comète. You know what, Nico? You can keep this car. You earned it. And I can't have my boy rolling in anything but serious genetically different winter style, you know? I thought it belonged to Steve. Fuck Steve! You are the man, man! You are number one! You won this shit anyway! I'll give Steve the bitch! The bitch don't work too good. Don't worry about that. Brucey has the magic fingers. They only touch prime engines, hot models, no cellulite. Okay, VIP only, read my lips. I'm a winner, and when they touch, shit, they work some serious magic, bro. What is it that you do, Brucey? Are you a mechanic? I don't get it. I'm a businessman, an entrepreneur. I make shit happen. So, Nicky, I feel like we really bonded back there. I'm close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me, and we'll hang. Sure we did. Ok. Ça, c'est fait. Où c'est qu'on va, maintenant? On va retourner là-bas. Comme ça, je pose la voiture. Message. J'ai pris pour la petite suspense. J'ai appelé voir des soucis sur le site de Liberty Tree, mec. Ils disent que tu fais mieux, il va falloir faire quelque chose. Il faut faire des injections tout le temps. Il n'y a pas de honte. Il va falloir être bon. Lucie. C'est quoi? Pas mal. Garde le contact, cousin, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Il faut que je parle de toi. Je pense 2-3 sorties avec lui, parce que sinon... Tout ça je le ferai hors gameplay, hors vidéo, parce que c'est long, c'est chiant, c'est pas intéressant. Seulement, tiens.
descend. On va voir ce qui se passe. The snowstorm. And then when your blood clot, you forgot 7 minutes on pussy wood. Yeah, fuck you, fucking reggae idiot bitch. You want to? You want blood clot? Cause I didn't even bomb a clot right here. Stop speaking that gibberish. You fuck bomb a clot pussy wood, girl. You know this? Shutting up bomb a clot. Hey yo, hey, don't touch what's this. Wrong? What's wrong? Jacob here. You know Jacob? Yes. Jacob tells me it wasn't him, but some people he introduced me to have ripped me off big time and put the heat on me. I know they all did. All right, all right, all right. Under my fault, no rasta. And my blood clot. Well, hey! You don't come in on my face! All right! You better hope Nico can make this right for you then! Oh, what? Oh, we got a big fucking problem, Rasta! Nico, go do this first job for him! Yeah, I got it. Watch me, Anna. See you later. Alors, ok. L'hôpital abandonné. Allez, bon, le mien est là. C'est où ça? C'est sur l'île du milieu, ça? Ah ouais, c'est loin. Bon bah je vais couper là les gars et on se rejoint sur place. On arrive sur place. Bon, je me rappelle de cette île aussi, il y avait plein de deathmatch sur cette île. C'était amusé. Alors. Ah ouais mais je crois que c'est tendu là, cette mission. On va se garer là. Des habitats et quelque part dans l'hôpital abandonné. Là, y a du monde. This is scale fish imported straight from Bolivia, manito. Polvo puro, the best, man. You're in America now. The best everything gets made here. If the best stuff got made in Mexico or Colombia or wherever, why do you all run across the border? Tell me that. L'orage. Allez, c'est parti. Oui. Ok. On va faire le tour, il y a un mec là. C'est quoi? Hop 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 hop. Ok, bon. Ça c'est fait. Allez, vas-y, sors-toi de là. Ça je garde. Et c'est bon. Hop. Allez vas-y sors-toi de là. Ça c'est fait.
ils sont au-dessus, il y en a deux en bas qui sont par ici. Alors, où ils sont? This bitch is mine, man. Cul-de-sac, c'est fermé. Dans cette pièce-là. You're gonna die, motherfucker. Ouais, c'est ça. C'est qu'il Ivana, hang on, okay? Okay, okay. But you know you started a war. Alors, reste tranquille toi, reste là. Ok, c'est bon. C'est ce qu'il fallait que je prenne. Bon là ça va être tendu là je crois. I've got this stuff. You know where the heat is coming from? I think I'm getting closer now. But there's one more cat me off to speak to. Shit! Speaking of fucking cops, I think I have company. I gotta go. Ils sont 7 minimum. Ça pue cette histoire. I need everybody to get down on the ground. Même c'est de trouver la sortie parce que. J'ai de passer par là hein. Oh il m'a fait mal. Il y en a de partout mais alors où ils sont? Faut qu'il me tire dessus. Sors de là, sors de là. Je trouve ma bagnole de l'autre côté. C'est là, non, je peux pas passer là. Le mec qui marche. Oh, il est. Bon, c'est pas grave. Having a good day. Pompe. Oh ça va être tendu. Ah putain. Bon on se retrouve là. J'espère que je vais m'en sortir cette fois-ci.
plus en plus. Allez. Oh, ça s'arrête plus. Oh. Grave de monde. Je sais pas si j'en ai vraiment d'autres. On va recharger. Merde. Ah, c'est un cul-de-sac. Hein. C'est un putain de cul-de-sac. Allez, monte, monte. On va le faire. On pose un pneu. Là, y a pas les stores pour les semer. Allez, on va le faire, je pense. Je vais prendre mon angle là. Bouge-toi. Oh, ça va être tendu cette histoire. On va tout droit. On n'a pas l'air de venir vers moi celui-là. Voilà. On va partir à gauche. Nickel, enfin. Phew, c'était tendu. I lost the heat. Where are you? Cheers, Brian. I'm with some buckets in Noir. Get your non-Nico. This be some strange shit. On va retrouver Little Jacob. Oh putain, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est loin. Bon, bien, je coupe et on... Allez, on arrive sur place. Changer de véhicule parce que le Bobcat, j'en pouvais plus. Jacob, what are you talking about? You know, I think you're smoking too much. Yo, me think me know the eat that come from in a king. Hey, Nico. Hey, Jacob. What are you doing here? This is no place for you, Michelle. As it happens, it is. You see, Nico, I have been working for the government. I'm afraid it's my job to watch you. And now I have to ask you for the coke. This is a joke, right? Please, please don't make this harder for me than it already is. Look, they're about to take down Elizabeta. I don't fucking believe this. Listen, I'm sorry it had to be this way, Nico. I'm really sorry. Hey, you know, you could have gone down too if you weren't so useful. You fucking bitch. Nico. Hold on. You mean to say you're going to let us off just like that? Nothing now, go on? Well, my employers need the help of a guy like Nico. The office is in Algonquin. I'll call you. You know, as and when we need you. The coke, please. Shocking me, I have to tell Elizabeth so she now get her cocky in her.
Eh ben. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cet épisode qui a été excessivement long je crois. On verra bien au montage. En tout cas comme d'habitude si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si ça vous plaît toujours les épisodes sur GTA 4. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram. Les liens sont dans la description ainsi que les liens du crew de GTA Online. Et les liens des deux playlists de musique pour Spotify et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez ma chaîne via cette vidéo. Puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de GTA 4 ou d'autres vidéos sur GTA 5 ou encore GTA Online. Merci à tous, passez une bonne journée, à la prochaine. Ciao. Mickey, you animal. The guys we raced the other day want a rematch. They liked your shit, man. Cool, I guess. Anytime you want a race, give me a call and I'll hit you up with a location. Peace, man.